Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amramina, Ben Chana Pegi, Bet Esther, Zara, Bat Mazal Tov, Shishporti, Simon, Bat Loini, Michal Novikov, aussi dire Fouat, Rout, Bat Kolotin Traina, et Simcha, Bat Masoudi, Betor, Shah, Holé Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot, Perek, Dalet, Mishnah, Aleph. Shvuat, Aedout, Noheget, Banashim, Velo, Banashim, Barechokim, Velo, Bakrovim, Bakshirim, Velo, Bakrovim, Vena, Noheget, Ela, Barovin, Leaid. בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו, מפי אחרים, אין חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, אינן חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין. ומה, dans ce chapitre, un nouveau type de שבועה. Jusqu'à maintenant, pour rappel, on a évoqué, on a déjà eu l'occasion d'en parler déjà dans les dernières Mishnayot, en expliquant que Le sujet des shvuot, de fait de jurer et d'être passif ensuite de korban ou de malkot selon ce qu'on a transgressé, c'est un sujet assez vaste. Dans plein de situations, on va se retrouver avec des serments. En l'occurrence, on a déjà appris la shvuot bitui, quelqu'un qui jure sur un sujet qui n'engage que lui. Il veut s'engager à faire une chose, il peut jurer au futur, je vais faire ou je ne vais pas faire, jurer au passé pour attester, certifier une chose qui s'est passée. On a déjà aussi évoqué le sujet de shvuot shav, celui qui jure en vain pour parler de choses jurées, pour attester des choses banales, qu'il veuille les contredire ou qu'il veuille les affirmer, peu importe, ça s'appellera Shvuat Shav. Tu mentionnes le nom d'Hachem pour dire qu'une évidence est évidente, c'était pas la peine, ça s'appelle Shvuat Shav. Tu as mentionné le Shem Hachem pour rien. C'est aussi une transgression. Dans Shvuat Shav, on avait vu qu'il n'y avait pas de Chiyuv Korban, il y avait juste Chiyuv Malkot, tandis que Shvuat Bitui, il y avait le Korban Olev et Yored, le fameux Korban Khatat particulier, que selon le cas, si on est riche ou pas, on apportera soit une brebis, soit un torah bnei yona, soit une oblation. Ça, jusqu'à maintenant, c'était le sujet des shvuat bitouille. Maintenant, dans notre chapitre, on va découvrir un autre cas particulier de shvuat, qui s'appelle la shvuat haedout. La Torah le dit, on va le faire dans les psukim. On est dans le Vaikra Perek He. Là-bas, c'est la paracha du korban olev yored. Dans Vaikra, on parle de plein de korbanot, olash, lamim, on parle des chataot. Et puis à la fin, la Torah se finit avec le dernier pérec de Vaikra, il nous parle du korban Olé Veyored, celui qui lui a apporté ce fameux korban Khatat, que selon sa situation économique, il apportera un korban, soit Kisba Oseira, une brebis ou une chèvre, ou il pourrait, ou s'il est plus pauvre, Torim ou Bneyona, ou sinon il apportera une Mincha. Et là-bas, la Torah commence la paracha en nous disant pour quel type de verot on devra apporter ce korban Olé Veyored. Et regardez ce qu'il écrit, Venefesh Kitecheta. C'est le premier cas. Si ça vous intéresse, le deuxième pasuk c'est c'est l'histoire des fameuses Toumat Migdash et Kochav qu'on apprend au début de la Masechet, Perek Alef et Perek Bet. Et puis après, dans le Perek Dalet, il va y avoir ça c'est l'histoire de la joie de Bitouy. Donc dans la même lancée, la Torah nous a dit pour tous ces types de Averot qui sont Shvuat Haedout, Toumat Migdash Vekotchav et Shvuat Bitouy, si ça vous a, c'est pour nos prakim en fait de Shvuat, ça correspond Perek Gimel, Perek Aleph Bet et Perek Dalet de Shvuat, et bien pour tout cela, Vaya qui Yesham Lachat Melev Veitvata Shechat Alea, il devra apporter ensuite le Korban Olev Yored, un Korban Khatat selon sa situation financière. Concrètement, le premier pasouk, la Torah l'ouvre comme ça. Venefesh ki techeta. Une personne, une âme, une personne qui fautera. Veshama kol ala. Et il entendra kol ala. Littéralement, une voix de malédiction, soit qu'on la sermente. On aura l'occasion d'expliquer pourquoi faire jurer ou bien engager avec une malédiction, c'est le même principe. Donc, ça s'appelle une joie. Ala ze joie. Ouais. Vehu ed, et il est témoin. O ra'a o yada. Soit parce qu'il a vu, soit parce qu'il sait une chose. Imlo yagid venasa avono. S'il ne vient pas porter son témoignage, il portera sa faute, littéralement. Soit, la Torah, elle me dit, quelqu'un, moi j'ai un souci avec un voisin, avec une personne qui m'a volé de l'argent, je cherche des témoins. Et je sais que vous avez vu quelqu'un, je sais que Reuven a été témoin de la scène, et donc je vais voir Reuven et je lui demande, viens témoigner, j'ai besoin de ton aide. Lui, il a une mitzvah, une chova de témoigner,
un asé et même un lot asé, je crois que c'est même compté comme un lot asé, le Imlo Yagid Venin Servono. Il a en tout cas une obligation de témoigner. Et la Torah maintenant vient me dire que si jamais je lui demande de témoigner et il dit, il essaye de faire, il fait mine qu'il ne sait pas, si je le fais jurer, donc je l'assermente, je lui dis, jure que tu ne connais pas, de, tu ne peux pas m'aider, que tu ne connais pas de témoignage qui puisse m'aider. Alors s'il le jurera, alors il aura transgressé un type de jvoua particulier qui s'appellera la jvouat à Edout. C'est ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment dans notre Mishnah. C'est assez semblable, ça ressemble. Finalement, vous allez me dire quelle est la différence entre jvouat à Pikadon, à jvouat à Bitouï qu'on a appris jusqu'à maintenant. On apprendra, on remettra le zoom, on l'évoquera un petit peu dans notre Mishnah, et particulièrement quand on arrivera dans la Mishnah Bet, on distinguera bien la différence. Il y a des différences de halachot entre la jvouat Bitouï et la jvouat à Edout. Et donc la Torah ici, elle m'a donné un chiouv, une obligation, une punition, un korban, une expiation plutôt, particulière pour celui qui a juré une jvouat à Edout. D'accord ? Donc maintenant, on conclut très rapidement ce qu'on vient de lire à l'intérieur du pasouk. C'est simple. Lorsque quelqu'un connaît un témoignage pour moi, il a le devoir de témoigner. Et si il fait mine de ne pas savoir, je peux l'assermenter et lui dire « Jure que tu ne sais pas. » Ouais, il m'esquive, il me dit qu'il ne connaît pas les doutes. Alors je lui dis, jure que tu ne connais pas de Edout. Il va jurer, on apprendra de quelle manière il peut jurer dans notre Mishnah même. On va arriver, quand on arrivera dans la deuxième partie de la Mishnah, on mettra le zoom dessus. Il doit me jurer, et si en fait il voudra faire Tshuva, eh ben, il devra apporter un korban spécial qui s'appellera un korban Olev et Yored, parce qu'il a juré la Shvuat à Edout, elle a un statut spécial. On commence à faire la première partie de la Mishnah, c'est très simple. Le principe de la Mishnah, d'ailleurs je préfère aussi l'introduire, comme ça quand on lira, on traduira, ça ira beaucoup plus vite. Puisque c'est une jvoua, un serment qui ne concerne qu'un témoin potentiel, une personne qui n'est plus témoin potentiel, parce qu'il ne peut pas témoigner, même s'il sait une chose, mais il ne peut pas témoigner. Dans la Torah, on avait appris déjà dans Sanhedrin, seul, pas tout le monde peut témoigner. Il faut que ce soit un homme, une femme, et psoula la edout, elle n'est pas apte à témoigner devant le Beit Din. Il y a certes quelques petits cas particuliers, mais en tout cas de manière générale, une femme ne peut pas témoigner. S'il y a quelqu'un qui m'a volé de l'argent, une femme, elle a vu. Selon la Torah, ce témoin oculaire ne peut pas venir au Beit Din pour, cette témoin oculaire ne peut pas venir au Beit Din pour témoigner parce que c'est une femme. La Torah, elle a parlé, elle était marchira que, elle a rendu cachère que les hommes pour le témoignage. Pour la plupart des témoignages, en tout cas. Si c'est un proche parent, il ne peut pas témoigner non plus. Donc si je lui demande, jure pour moi, papa, jure que... viens témoigner pour moi, il me dit non, je connais pas, je le fais jurer. Je fais jurer à un proche parent, un frère, ouais, selon les halakhot de Psoul et Edout, alors, et qu'il jure, et ben il ne sera pas khayav de la jvouat à Edout. Idem, si c'est quelqu'un qui est pas soul, quelqu'un qui est inapte à témoigner, c'est quelqu'un qui transgresse des averot de manière fixe, c'est un voleur, le voleur il est pas soul à Edout. Ou bien même s'il est pas soul, mais des rabanan, et c'est exactement tout ça ce que la Mishnah nous enseigne tout de suite. On fait ça dans les mots, jvouat à Edout. Le serment du témoignage, soit c'est un témoin qui va jurer qu'il ne connaît pas le témoignage, qu'il ne peut pas témoigner, Noheget ba'anashim velo ba'anashim, elle incombe aux hommes et pas aux femmes, étant donné que les femmes ne peuvent pas témoigner, donc elles ne seront pas concernées par cette jvouat à Edout. Je suppose que vous devez vous demander, mais alors quoi, si elle jure, elle sera pas tour complètement d'un korban, pourquoi il n'y aura pas une jvouat bitouï? C'est une question énorme, je la laisse pour plus tard. D'accord, si vous n'avez pas compris la question, c'est pas grave, ne vous cassez pas la tête, on en reparlera, on mettra le zoom essentiellement dans la Mishnah Bet, c'est-à-dire si on fait tout ça dans la Mishnah Aleph, ça va sortir une Mishnah trop grande, puisque la Mishnah Bet elle est plus courte, on parlera de cette question. Donc concrètement, une femme elle est psoulale et doute, donc si je la fais jurer qu'elle a vu un témoignage, et qu'elle nie qu'elle le nie, ouais, elle dit je ne peux pas témoigner, je ne connais pas de témoignage pour toi qui puisse l'aider, en jurant, alors elle ne sera pas passible de la jvouat à Edout. Barichokim, velo bakrovim. Idem encore que pour les personnes qui sont loin, qui ne sont pas des krovim, des proches parents. On parle de lien familial, qui n'a pas de lien proche, mais que des liens très éloignés, qui sont chérim la Edout. Idem encore, bakchérim, velo bapsulim. Elle incombe aux gens qui sont chérim la Eid, qui sont aptes à témoigner, velo bapsulim, et pas à ceux qui sont psulim, inaptes à témoigner. Ouais, comme on a dit, des gens qui sont des avarianim, des gens qui transgressent de manière fixe la Torah, de manière constante, alors ils sont psulim la Edout, selon le cas, et d'Alachot, bien sûr, on apprenait tout ça dans Sanhedrin.
Aussi, la Mishnah conclut Ve'ena noeget ela beruim le'aïd. Littéralement, elle n'incombe que beruim le'aïd à ceux qui sont aptes à témoigner. Alors là, vous devez vous dire, mais quoi, tout ce qu'on a expliqué, c'était, on a parlé de personnes qui n'étaient pas aptes à témoigner. Qu'est-ce que tu viens inclure de nouveau en me disant qu'elle n'incombe pas que c'est une personne qui n'est pas apte à témoigner, alors il ne sera pas concerné par le korban de Shavuot Haïdout. Question pertinente. La Gemara explique qu'on parle en fait de cas de figure, mais à votre avis, je vous pose une question. Si il y a une personne qui est, selon la Torah, elle est kasher l'Haïdout, il est apte à témoigner, mais Chachamim, ils sont venus, ils ont dit non, toi, on ne veut pas accepter ton témoignage. Exemple simple, les mafrichei yonim, ceux qui jouent de nos jours, c'est ceux qui jouent de manière fixe au champ de course, des personnes qui n'ont pas de travail et qui essayent d'avoir leur parnassa de manière constante en jouant au jeu. C'est une personne qui est pasoul laïdout. On apprenait ça dans Sanhedrin. Enosek beishuvo shalom. D'accord? Il y avait là-bas, on apprenait, je crois que c'était Perek Dalet ou Shalosh, Perek Gimel ou Perek Dalet de Sanhedrin là-bas, on expliquait longuement. D'accord? Donc, on a une personne maintenant, Reuven, que selon la Torah, il est kasher, là, il doute, mais Chachamim m'ont dit, non, toi, tu témoignes pas. Question, si je le fais jurer, que tu connais un témoignage, que tu peux venir m'aider, et lui, il me dit, non, lui, il nie en jurant. Est-ce qu'il est passible du korban de Shavuot Haïdout? Est-ce qu'il a transgressé la Shavuot Haïdout? Eh bien, la Mishnah vient et nous enseigne, non. Attendez que concrètement, s'il est en Beit Din et il ouvre sa bouche pour témoigner, on va lui dire, non, tu nous intéresses pas, toi. T'es pas sous l'Haïdout. Chachamim, ils n'acceptent pas ton témoignage, donc il est nul et non avenu. De ce fait, lorsqu'il va jurer, il ne transgressera pas la Shavuot Haïdout. D'accord? Ok? C'est clair. Baruch Hashem, on a fini cette première partie d'abord. On fait tout de suite le Bar Tanora, et puis après on retrousse les manches et on commence à aborder le sujet un peu plus délicat, qu'on a déjà évoqué, malgré tout, dans la Mishnah précédente. Dans le Perek précédent, Mishnah Yud, on va remettre le zoom un petit peu dessus. Déjà, on fait le Bar Tanora sur cette première partie. Shavuot Haïdout, Noeget Banashim, Belo Banashim. Là, je vois, t'as les doutes, le serment des témoignages, donc, incombe aux hommes et pas aux femmes. Il est concerné, seuls les hommes sont concernés par lui. Noheg, Minag, il a une coutume, ça n'a pas de sens cette fois-ci, il est d'usage. Ouais, on peut traduire ça par il est d'usage. Là, je vois, t'as les doutes, donc, l'interdit de transgresser le serment de celui qui connaissait un témoignage est d'usage face aux hommes et pas aux femmes. Dirtiv, comme le passage nous dit, et vehu ed. Le passage qu'on a lu nous disait, et il est témoin. Sur quelqu'un qui est apte à témoigner, le pasouk parle. Et une femme n'est pas apte à témoigner, selon la Torah, dirtiv, comme le pasouk nous dit. Comme le pasouk dans Dvarim, on est, je crois, dans Shoftim, qui nous dit que et se lèveront les deux personnes qui sont les témoins. Et la Torah insiste là-bas en nous disant Anashim, les hommes. Et les hommes, et pas les femmes, Anashim, et Anashim. Va'okara be'edim hudirtiv. Ce pasouk parle des témoins. Ne'emar kadishnaim, ve'emar lalanishnaim, alpishnaim edim. On apprend par Zachara que le pasouk là-bas, il parlait des témoins. Donc concrètement, une femme, elle est psoula laïdout, puisque le pasouk l'a exclu. Ve'lo bakrovim, et elle n'est pas d'usage avec les proches parents. Des psoula laïdout ni nous, parce que aussi, ils sont psoulim, ils sont inaptes à témoigner. Dirtiv, comme le pasouk nous dit, lo yumtu avot albanim, ve'edut banim, ve'hu adin eshar krovim. Lo yumtu avot albanim, c'est un pasouk cette fois-ci dans Parashat, je crois, qui t'était, qui nous dit lo yumtu avot albanim, les pères ne mourront pas à cause des enfants, soit par le témoignage des enfants, un enfant ne peut pas témoigner pour son père, be'edut banim, par le témoignage des enfants, ve'hu adin eshar krovim, et de là-bas on déduit qu'il en va de même pour tous les autres proches parents. Ve'lo babsulin, ou encore, elle n'est pas d'usage babsulin, chez ceux qui sont inaptes à témoigner, kegon chayve mitot, comme par exemple ceux qui sont passibles de condamnés à mort, d'être condamnés à être frappés parce qu'ils ont transgressé un lav de la Torah, ou bien un voleur, parce que puisque ce sont des personnes qui transgressent la Torah, alors ils s'appellent des gens reshaim. La Torah nous a dit, tu ne tendras pas ta main, tu n'épauleras pas un témoin faux. Tachles, concrètement, le passage qui nous dit Al tachet yadra imracha liot ed hamas. C'est le passage qui nous dit tu ne tendras pas la main à un racha. Al tachet yadra
Im rachal yot et hamas. D'accord. Tu ne donneras pas ta main avec un rachat pour être un faux témoin. Concrètement, on déduit là-bas, c'est une drasha un peu spéciale, on déduit là-bas que al tachet rachat ed, tu ne t'associeras pas avec un témoin pour témoigner, donc on déduit qu'un témoin, un rachat, il est pas soul laïdout. C'est quoi un rachat? Quelqu'un de mauvais? C'est quelqu'un qui est appelé rachat dans la Torah, qui est transgressé la Torah. Idem encore, Venanoeget Barreouim, la Haïd, elle n'est pas d'usage chez ceux qui ne sont pas aptes à témoigner. Ça, c'était donc, ça venait inclure autre chose. On avait pris le cas de celui qui est Pasoul Midera Banan. La Gemara évoque deux cas en réalité, c'est ce que le Bartonon dit tout de suite, la Fouquet, Melech Sheinomeid, pour exclure le roi qui ne peut pas témoigner. Si je demande au roi de venir témoigner pour moi, le roi, il y a une halakha, il ne peut pas venir témoigner devant le Bet Din. Il ne peut pas témoigner. On peut le juger, mais il ne peut pas témoigner. Ce n'est pas de son honneur qu'il vienne et qu'il parle devant des juges qui sont là. Ouais, il y en a un devoir de vénérer le roi. En l'occurrence, il ne peut pas témoigner au Bedin. Et si je demande au roi de jurer pour moi qu'il ne peut pas venir m'aider au Bedin, eh ben, il ne sera pas passible de, du Corban Jumat Haïdout. L'absolim l'Haïdout Midera Banan, ou encore, pour inclure aussi ceux qui sont psolim, inaptes à témoigner, Midera Banan, par décret de Chachamim. Comme ceux qui jouent au dé, le 4-21, il fait de l'argent comme ça. Celui qui c'est son travail fixe, il n'a pas d'autre travail. Toute la journée, il joue au champ de course. Ou mafrichayonim, c'est qu'il fait voler les oiseaux. Il faisait des courses avec les oiseaux, comme nous, on fait des courses avec les chevaux. D'accord ? On a fini la première partie de la Mishnah. Une petite remarque quand même de Rabbi Akiva, c'est important, c'est bon à savoir. Qu'il faut savoir, il y a dans différents cas de Rabbi Kiveger, Tiferet Israël, plutôt Tiferet Israël, c'est dit de manière beaucoup plus aiguisée. Il y a dans plusieurs cas de la Torah des gens qui sont psoulim laïdout, inaptes à témoigner, certes. D'accord, mon père, mon frère, il ne peut pas témoigner pour moi. Cependant, il y a des situations où malgré tout il peut venir témoigner pour moi. Par exemple, c'est si j'ai un différend avec mon voisin. Et mon voisin il me dit, mais non, mais je t'ai rendu l'argent. Je lui dis, non, tu ne me l'as pas rendu. Et lui, il me dit, non, je l'ai rendu devant ton frère quand tu étais, rappelle-toi. Et je lui dis, mais non, mais mon frère, il est d'accord que tu ne m'as pas rendu l'argent. Et bien, si lui, il accepte d'agir selon ce que mon frère dira, même s'il n'est pas sous la doute, alors mon frère, il pourra venir au Bet Din et nous dire qu'il a vu une scène. Mais ça, c'est-à-dire, on ne va pas le forcer à accepter le témoignage de mon frère. Mais si lui-même, il accepte le témoignage, alors il pourra venir témoigner pour moi. D'accord ? Eh bien, il faut savoir que malgré tout, si, une fois qu'il a accepté de venir témoigner, je vais dire à mon frère, allez, viens témoigner pour moi, et lui va dire, non, je vois Shehenani Oden Haedut, je te jure que je ne peux pas t'aider, je connais pas, je sais pas de témoignage, donc il est kofer. Et s'il sera passé d'un korban, je vois, il écrit le Tiferet Israël, il rapporte que non, il ne devra pas apporter le korban de je vois Haedut, étant donné que foncièrement, il n'est pas soul laïdout, il est inapte à témoigner. Donc même si concrètement il aurait pu venir jouer un rôle de je vois ta laïdout, alors malgré tout il ne pourra pas témoigner. D'accord ? Parce que même s'il pouvait venir témoigner au Bet Din, mais ça n'avait pas un statut de témoignage. Si ça n'a pas de statut de témoignage, alors quand tu jures que tu ne sais pas cette... que tu ne peux pas témoigner, ben ça ne s'appelle pas que tu as nié un témoignage. D'accord ? Alors Rabbi Akiva rapporte la même chose avec la femme. Il y a certaines situations où une femme peut témoigner dans certains cas très restreints, relativement, et malgré tout, elle n'a pas un statut de témoignage, elle a juste un statut qu'elle nous apporte une connaissance qui nous aide ensuite à aller de l'avant, mais en tout cas, ça n'a pas un statut de témoignage, de ce fait, il n'y aura pas de chiouf de Jevoata et d'autres. C'est clair. On attaque maintenant la deuxième partie de la Mishnah, on ne va pas trop s'attarder. Une notion qu'on a déjà évoquée, deux petites introductions. Une notion qu'on a évoquée d'abord dans le périk précédent, qui est la Shbia Mipi Acherim, faire jurer, faire exprimer la Shvoa par quelqu'un d'autre. De manière générale, lorsque, pour être Hayav de Shvoa Bitouille, jurer à tort, alors il faut que tu dises, il faut que celui qui veut, qui doit être condamnable, que lui-même exprime la Shvoa, qu'il dise lui-même, je jure que je ne sais que j'ai mangé du chocolat ce matin, ou que j'ai pas mangé du chocolat ce matin. Et c'est lui qui doit l'exprimer. Mais si moi je lui dis, jure, je t'assermente que tu n'as pas mangé de chocolat ce matin. Et lui me répond, je n'ai pas mangé de chocolat. Il n'a pas exprimé le mot je vois. Alors, il n'aura pas juré parce qu'il n'a pas exprimé le mot je vois. Si je lui dis,
Je t'assermente au nom d'Hachem que tu n'as pas mangé de chocolat. Et il va répondre Amen, j'atteste. Alors là, ça s'appelle qu'il accepte la Shavua. C'est un cas un peu particulier. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus. D'accord ? Mais en tout cas, si juste il ne fait que de nier après que moi je l'assermente en prononçant le Shem Hachem, alors ça n'a pas un statut de Shavua. Ça c'est vrai pour une Shavua de Bitouille, mais ce n'est pas vrai pour une Shavua de Haïdout. De là justement, dans le pasouk qu'on a lu, il y avait marqué Veshama Kol Allah. Il a entendu un serment. La malédiction, c'est un serment. Donc il a entendu un serment. Soit la Torah nous a appris ici quelque chose de super. Elle nous a dit, tu sais, il va être chayav d'un korban, même s'il a entendu la Shavua qu'il n'a pas prononcée lui-même. Soit il a nié au Bet Din le fait qu'il ne connaisse pas de le témoignage, mais il n'a pas lui-même juré qu'il ne connaît pas le témoignage. Je lui dis, je t'assermente au nom d'Hachem de me dire, de témoigner que si tu sais un témoignage qui puisse m'aider, que tu témoignes pour moi. Et lui, il répond uniquement, En ani yodea lecha edut, je ne connais pas ton témoignage, je ne sais pas, je ne peux pas témoigner pour toi. Eh bien, il est passible d'un korban shvoua, il a juré lui-même, même s'il n'a pas dit le mot juré au nom d'Hachem. D'accord ? Ça, c'est le principe général. Maintenant, un autre détail important aussi, c'est que la shvoua ta'edout, puisque le problème de la shvoua ta'edout, il est que ce témoin va se griller. Par le fait qu'il va nier le fait qu'il sache un témoignage, il ne va plus pouvoir revenir témoigner. Soit, un peu plus de petite précision, on a une grande règle dans les témoignages, c'est qu'une fois qu'on a dit quelque chose, on ne peut plus dire le contraire au Bet Din. Kevan Shehigid, Shuven Choser Omagid. Quelqu'un qui dit, qui atteste, un témoin qui vient, qui nous raconte une certaine scène, il n'a plus le droit ensuite de revenir ou de changer la scène. Kevan Shehigid, étant donné qu'il a dit, qu'il a raconté, Shuv En Choser Omagid, il ne pourra plus revenir dire autre chose. De ce fait, quelqu'un qui vient au Bet Din et qui va nous dire « Je ne connais pas de témoignage », eh ben, il ne pourra plus jamais témoigner parce qu'il s'est grillé. Il s'est brûlé de le droit de venir témoigner puisque maintenant, si je me fonde sur tes paroles, donc tu ne peux pas témoigner. Qu'est-ce que tu reviens que tu témoignes ensuite? Tu t'es souvenu? C'est pas possible, on ne va pas s'en sortir. Un témoin, il faut que quand il parle, la chose qu'il va dire, on se fixe avec elle et on avance avec elle. D'accord? Ça, c'était deux introductions générales pour maintenant préciser un autre détail, une halakha particulière, et je pense qu'on va... Je lis et je traduis très rapidement la Mishnah, ouais, pour ne pas faire un cours de 40 minutes, c'est dommage, et quand on va revenir à la prochaine Mishnah qui va être très courte, on réexpliquera mieux la portée des choses. Bifne Bedin, c'est une notion qu'il va falloir répéter plusieurs fois pour qu'on l'assimile quand même, c'est normal. Donc la Mishnah maintenant nous dit comme ça. Rabbi Meir lui vient, le premier rabbi c'est Rabbi Meir, il va nous dire comme ça. Bifne bedin veshelo bifne bedin mipi atzmo mipi acherim en chayavin ad shiyichperu ba'en bebet din. Dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous enseigne, sache que c'est compliqué, je sais pas par où attraper le morceau, mais en tout cas, Rabbi Meir vient et nous dit, sache que tu as deux manières de témoigner, ce qu'on appelle mipi atzmo et mipi acherim, de par toi-même. Toi, tu jures, je jure que je ne peux pas témoigner pour toi, que je ne connais pas le témoignage. Ou il y a ce qu'on appelait la shvoua mipirim, que quelqu'un d'autre m'a assermenté. C'est quelqu'un qui m'a dit, qui a prononcé le mot shvoua. Et bien Rabbi Mervin nous dit, tu ne seras passible du korban shvoua ta'edout que si tu as nié au Bet Din quand quelqu'un d'autre t'a assermenté. Mais si toi tu as prononcé le serment en dehors du Bet Din, de toi-même, alors tu seras passible du korban même si tu n'étais pas au Bet Din. Je recommence. J'ai deux possibilités de transgresser l'interdit de jurer la shvoua ta'edout. Soit moi-même, je dis que je jure que je ne connais pas ce témoignage, soit c'est quelqu'un d'autre qui m'assermente et moi juste je nie. Rabbi Meir nous dit, si tu prononces toi-même la shvoua, tu seras chayav de shvoua ta'edout même si tu l'as fait en dehors du Bet Din. Si toutefois tu ne prononces pas le mot « je vois », tu ne jures pas toi-même, tu fais que de nier, alors dans ce cas-là, tu seras passible que si tu es au Bet Din. D'accord ? On refait ça dans les mots. « Bifne Bet Din veshelo bifne Bet Din mipi atzmo » Tu es passible du korban shvoua ta'edout, que tu sois devant le Bet Din ou en dehors du Bet Din, pas devant le Bet Din, mais à condition que tu jures toi-même, « mipi atzmo », que tu la prononces toi-même le serment. Par contre, « umipi acherim », si tu jures par quelqu'un d'autre qui t'assermente, en chayavin achir peru bahen bebet din.
on ne sera passible du korban que si on est kofer, on nie le fait de connaître le témoignage bebeddin, devant le beddin. Soit, en dehors du beddin, Yimatrapim dit, je t'assermente que si tu connais un témoignage pour moi, que tu viennes et que tu témoignes pour moi, et puis moi je lui dis, je ne t'ai déjà dit, je ne connais pas de témoignage pour toi. Eh bien, puisque je n'ai pas prononcé le mot Shavua et que je suis en dehors du beddin, je ne serai pas chayav de la joie à ta edout. Par contre, si je jure moi-même, je te jure que je ne peux pas témoigner pour toi, que je ne connais pas le témoignage, je ne connais rien du tout, je n'ai pas vu la scène, je te jure, ah, tu jures toi-même, même si tu es en dehors du beddin, tu seras passible d'un korban de Shavua. D'accord ? C'est l'avis de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, et chachamim, eux, pensent que non. Ben mi piatzmu, ou ben mi piachrim, que ce soit de par sa bouche lui-même qui prononce le mot Shavua, ou ben mi piachrim, qu'il se fasse assermenter par quelqu'un d'autre. Einan chayavin, ad sheikhperu bahen bebet din. Il ne sera passible d'un korban Shavua que s'il a nié devant le bet din. D'accord ? D'accord, pas d'accord. Vous devez vous demander pourquoi, c'est quoi les motivations ? C'est assez particulier, il y a quand même une notion importante que je vous ai déjà dit, c'est le fait de se griller au Beth Din. Et Rabbi Meir, malgré tout, il pense que si malgré tout tu as menti en dehors du Beth Din, tu seras quand même passible du Korban de Shavua Taïdout. D'accord ? On retient ça de manière superficielle pour le moment, on reviendra dessus dans la Mishnah Ben, Bezrat Hashem. Et pour le moment, on fait le Bartenora sur cette première partie. Bifne Beth Din, Vesholo Bifne Beth Din, Mipi Atzmo, devant le Beth Din, ou à l'extérieur du Bedin, s'il a juré de lui-même. S'il a juré de lui-même, il a prononcé le mot Shavua, qu'il ne connaît pas le témoignage. Chayav ben nishba bifne bedin ben shalou bifne bedin. Il sera passible du korban de Shavua Taïdout, même s'il n'était pas devant le Bedin, qu'il soit devant le Bedin ou qu'il soit à l'extérieur. Alors, mi piachrim, par contre, s'il jure par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il se fait assermenter. Kegon, par exemple. Mashbia ani alechem. Je vous assermente au nom d'Hachem, bien sûr. Que Shetavu Vetaïduni, que vous allez venir au Beddin pour témoigner pour moi. Ve'amorulo, et eux m'ont rétorqué, En anu yodim lecha edut. Nous ne connaissons pas de témoignage pour toi. Donc ils n'ont pas prononcé le mot Shavua. Alors il ne sera pas Chayav Achirperu Ben Beddin. En an Chayav Achirperu Ben Beddin, dirtiv, comme le pasuk nous dit, Imlo Yagid Venasa Avono. Car s'il ne dira pas son témoignage, donc il niera le témoignage, il niera, doit nier, Lo Yagid, ou Lo Yagid, etze. Venasa avono, alors il sera fautif. Bimkom sheilu aya magid aya moil. Dans le lieu où s'il avait dit, il aurait réussi à faire sortir de l'argent, alors là-bas, si tu as nié à cet endroit-là, tu seras possible du korban joa taïdout. Vekra bemushba mi piachrim ktiv. Et le pasuk nous parle au nom de celui qui jure, qui se fait assermenter par quelqu'un d'autre. Mushba mi piachrim, il se fait jurer par quelqu'un d'autre. Le passage qui est écrit. Ben al-Halakha qui est Rabbi Meir. Al-Halakha n'est pas écrit comme Rabbi Meir. Donc succinctement, je répète très très rapidement la notion pour le moment retenir. La Torah elle-même, dans la parasha de la Shavua Taïdout, elle a parlé de celui qui se fait assermenter par quelqu'un d'autre. La Torah elle a dit, si tu nies, tu seras passible du korban. Donc la Torah elle a rendu chayav par le simple fait d'entendre le serment par quelqu'un d'autre et de nier. Même si je ne prononce pas moi-même la Shavua, et la Torah elle m'a dit, et que tu as nié alors que tu aurais pu faire sortir l'argent. Donc je déduis que je suis dans une situation où si j'avais ouvert ma bouche et j'avais dit non, Reuven il lui doit l'argent, j'aurais rendu Chayav Reuven de payer. Et il s'avère que maintenant, parce que j'ai nié, j'ai grillé la situation, j'ai grillé l'histoire, que maintenant il ne va plus pouvoir sortir l'argent. Alors la Torah m'a dit, ah, à l'intérieur du Beth Din, donc la Torah a parlé que à l'intérieur du Beth Din quand tu nies. Rabbi Meir vient et nous dit, bah, tu sais, ça c'est vrai quand tu jures de par toi-même. Mais par l'intermédiaire d'une tierce personne, quelqu'un d'autre t'assermente. Mais si toi tu prononces la Shavua, toi tu prononces le serment, alors je le déduis d'ailleurs, je le déduis par Xera Shava de Chetret sur la Shavua Tapikadon, ouais, je le déduis de par ailleurs, et dans ce cas-là tu seras rêve même à l'extérieur du Beddin. Même si tu nies à l'extérieur du Beddin, soit en dehors du Beddin, t'as dit que tu connaissais pas le témoignage, mais quand t'es venu au Beddin, t'as finalement témoigné. Et bien malgré tout, tu seras rêve de la Shavua, t'as des doutes que t'as juré à l'extérieur du Beddin. Tandis que Chachamim vont nous dire non. Puisque la Shavua Taïdout requiert de nier devant le Beth Din, si tu as nié à l'extérieur du Beth Din et que finalement tu es venu témoigner, tu seras plus passible de Shavua Taïdout. D'accord ? On doit, malgré tout, maintenant s'intéresser à la question, mais quoi ? S'il a juré à l'extérieur du Beth Din, il ne sera pas chayav de Shavua Bitouy ? Ça, on l'apprendra par la deuxième Mishnah, Bezrat Hashem, dès demain. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sala.